Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Vraiment, je ne sais pas ce que deviennent certains artistes dans notre pays. Je ne sais pas vraiment ce que devient également Facebook dans notre pays. Facebook est devenu un lieu de règlement de compte. Parce que ce que notre seul lady vient de faire, vraiment pour moi, je trouve ça no sense. Alors, on va un peu entrer en profondeur dans leurs problèmes moustiques et les mamas lady. Mais avant, on va commencer par le début. Donc, on commence par le début. Vous vous souvenez, il y a un frère Ekan qui s'est levé un matin ici sur Facebook et nous dit que pour qu'on détruise les Ekan, on utilise un frère Ekan. Moi, j'avais dit ce jour-là que ce ne sont pas les Ekan seulement, mais c'est le Cameroun. Pour détruire le Cameroun, on utilise les frères camerounais pour détruire le Cameroun. Beaucoup n'ont pas compris mon message ce jour-là. Je pense que maintenant, vous allez essayer un peu de comprendre vraiment ce que j'étais en train de dire ce jour. Je vous explique. Vous vous rappelez quand l'artiste, notre sœur, Caresse Photo, avait fait un post pour dire ce que MTN est en train de faire au Cameroun avec Orange. Vraiment, les coûts sont chers. Également, la connexion n'est pas bonne. On doit se lever et crier que non, ça ne va pas pour qu'ils essaient de changer nos conditions. Malox et Moustique étaient les deux qui avaient gâté, puisque tous les blogueurs s'étaient réunis avec beaucoup d'artistes. On était, ça prenait déjà, mais les deux, Malox et Moustique, les gars ont gaffé. Ils ont gâté le projet pour leurs intérêts personnels. Parce qu'il faut rappeler que Moustique faisait déjà la publicité de MTN, on peut comprendre. Malox, après ça, on a vu Malox où c'était à Adama ou à où c'était, bon, bref, dans le nord, avec MTN en train de faire la pub. Donc, les gars bagarraient pour leur ventre. Le message est passé. Quelques jours encore, on a vu Lady Ponce s'est levée et dit vraiment ce que Camtel fait n'est pas normal. D'autres ont raconté, on parle de 20 millions, 15 millions, 40 millions qu'on a donné à Fally Ipupa. On ne connaît vraiment pas la somme exacte que Camtel ne peut pas porter 40 millions, supposons que c'est 40 millions, donner à Fally Ipupa et donner des miettes aux artistes camerounais pour ceux qu'on a même choisi, parce qu'on n'a pas choisi, selon elle, les artistes qu'il fallait au Cameroun. Donc, Camtel, qui est notre société, qui n'a pas choisi un artiste ailleurs et verse beaucoup de millions. Le même Malox, Moustique, les deux se sont encore levés. Pendant que les gens étaient en train de soutenir les propos de Lady, les deux se sont encore levés pour tuer ce que Lady a dit. Je vais lire ce que Moustique avait dit ce jour-là. Il avait écrit: tes cachets ont toujours tourné autour des millions, mais aucun de tes danseurs ne vit au niveau de ta carrière internationale. Eux aussi, c'est des artistes et méritent le respect. Prêchons par l'exemple. RIP Willy le Sicilien. Je veux rappeler ici pour ceux qui viennent dire que c'est le match retour que Lady Ponce a fait à Moustique le Charismatique. Je ne vois à aucun endroit ici où Moustique est entré dans la vie privée de Lady Ponce. C'est vrai, tu as fait ton post Maman Lady, sans toutefois indexer quelqu'un. Mais le peuple camerounais, toi-même tu vois la toile, tout le monde sait que c'est à Moustique, parce que actuellement c'est Moustique qui vit cette situation-là et sa femme vient de quitter le foyer. J'ai vu hier quand j'ai fait ma vidéo, les gens sont venus dire: oh vraiment, tu te réjouis du malheur de l'autre, toi-même tu es marié, tu ne sais pas comment. Je me réjouis du malheur de quelqu'un dans quel sens? Vous parlez d'abord de quoi? J'ai fait la vidéo avec Moustique dernièrement, pour ceux qui ont regardé la vidéo là. Moustique lui-même disait que ne regardez pas certaines vidéos en mettant les organes. C'était un tout chaud. Il fallait dire, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, donc maintenant, je veux donner mon opinion. C'est mon opinion que je donne là. Et vous comprenez donc là maintenant que ce sont toujours les peuples camerounais qui empêchent l'évolution du Cameroun. Et vous parlez de l'émergence. L'émergence là sera très difficile. Le changement sera très difficile au Cameroun. Parce que quand certains jeunes veulent le changement, d'autres détruisent. Et ça devient compliqué. Voilà donc aujourd'hui, la femme de Moustique a quitté son ménage.
jusqu'aujourd'hui, personne, je dis encore, personne ne peut donner les raisons exactes de son départ parce qu'elle ne s'est pas prononcée depuis. Maman Lady fait donc un post qui a trait à son départ en disant, voilà, ou c'est quoi, les sex tapes ont fait quoi, la sodomie a fait quoi, ou et les maladies. Ma mère, comme j'ai dit hier, que ça c'est des choses qu'on parle dans la chambre. Toi tu es venu au marché, même s'il fallait dire ça. Ça c'est, ne te mets pas au même rang que les Shakiro. Franchement. Avec ce genre de sortie, avec ce genre de comportement, vous estimez, vous pensez vraiment qu'on va porter les 40 millions de Fally Ipupa et vous donner aussi pour prester pour une soirée? On a vu le clash de Fally Ipupa avec Kofi. Ça a brûlé sur la toile ici. Est-ce que vous avez vu ce genre d'énormité sur leur page? Est-ce que vous allez un jour voir un Congolais faire ce genre de post que tu as fait pour humilier ton artiste, ton collègue, ton frère, ton propre frère, pour descendre ton frère? Vous allez voir, même ici, dans notre belle famille, la Côte d'Ivoire, où on insulte tous les jours, là, vous ne pouvez jamais voir un artiste de ton rang, Lady Ponce, faire ce genre de post, raconter des choses du quartier. Ce n'est pas professionnel. Il y a le monde qui te regarde, il y a le monde qui te suit. Et quand tu fais ce genre de sortie, vraiment, est-ce que tu trouves que c'est pro? Est-ce que c'est pro? Qu'on va venir dire que l'autre chante Dagobert, c'est les choses du quartier. Vous allez vous plaindre. Que c'est la mentalité. Et c'est ça. C'est la même chose. Vous manquez l'intelligence. Oui, quand l'autre se plaignait, il disait qu'il n'y avait pas l'école de la musique pour faire la bonne musique. Mais il y a l'école au Cameroun pour l'intelligence, pour avoir, pour être cultivé. Je ne sais pas. Pour se cultiver. Parce que des sorties comme ça, vraiment, moi, ça m'inquiète. C'est pas digne. Et je vois des gens venir tomber sur ça comme des mouches. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez de l'affaire Melissa? Et Blaise Option ici sur la toile. Un blogueur était venu vous faire le post. On a trouvé Melissa dans un pick-up. Le pick-up de son voisin. Ça a brûlé sur la toile. Oh, partie des femmes mariées pour Tisa. Quand la vérité nous a retrouvés ici, que tout ça était que fake. Le blogueur n'a même plus toussé. Tous ceux qui sont venus tomber sur le poste du blogueur, chacun a fait sa part, fait la fête. Personne n'a pu tousser. Personne n'a pu rien dire. Voilà aujourd'hui, une autre. Maman l'a dit, fais tout ça, juste un poste, sans preuve. Bon, montre-nous le test qui prouve que l'artiste là est malade alors. Montre-nous, on voit. Bon, montre-nous une image où tu as surpris ton artiste là avec ton feu artiste que tu dis. Au lit, ou bien dans une chambre, ou bien à l'hôtel. Montre-nous une image. Il n'y a pas. On va évoluer. On va avancer avec ce rythme-là. Donc, c'est-à-dire que je me lève le matin, je prends un artiste lambda, n'importe qui, j'écris que, oh, est-ce que vous savez que telle personne est tant? Je n'ai pas besoin de prouver. Je n'ai besoin de rien dire. Tout le monde va croire. Tout le monde tombe dessus. Comme tout le monde fait de ça son affaire. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Toi-même, ma mère, tu as fait combien de mariages? Toi-même, quand ton mariage andem avait où c'est Dieu cyclone, ça a crié sur la toile ici. Est-ce que Moustique avait toussé? Est-ce que Moustique avait parlé de toi? Ça, c'est les problèmes intimes. Il y a le problème de couple, maman. Est-ce que toi-même, là, s'il faut parler même de bons mariages et tout, est-ce que toi, tu prêches l'exemple? Est-ce que toi-même, tu prêches l'exemple aux jeunes d'aujourd'hui que suivez mon exemple, par exemple. Suivez, par exemple, mon exemple. Hein? Est-ce que toi-même là, tu es l'exemple pour parlant du mariage? Que la femme de Moussi est partie parce qu'il est faible au lit, machin, tout. Est-ce. Maman, vraiment, tu dois refaire un autre poste pour demander les excuses hein, parce que tu as gaffé. Pour moi, tu en dèmes très mal. Tu en dèmes très mal. Je vous assure. Bon. Voilà, et franchement, faisons les buzz. Contentons-nous de ce qui nous retrouve sur Facebook. En ce qui concerne la vie privée des gens, vraiment, faisons très attention. Faisons très attention, c'est tout ce que je peux vous dire, les amis. Sur ce, passez une très bonne journée. Et en ce qui concerne les autres artistes, modérez vraiment. Parce qu'à la lue où chacun vient utiliser Facebook comme le tribunal, je ne pense pas qu'on va arriver. Je ne pense vraiment pas qu'on va arriver.
Merci de partager la vidéo. C'était le général Franco. Si quelqu'un est nouveau sur la page ou sur ma chaîne, qu'il s'abonne. C'est la page de l'actualité. Ciao, je vous l'offre. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.